Alors, on est maintenant capable, avec les éléments qu'on a pu détailler précédemment, d'énoncer le second principe de la thermodynamique et de le comprendre. Il est énoncé tel que je vous l'ai écrit ici. Les extensités associées à toute forme d'énergie sont conservatives, sauf pour l'énergie thermique. Dans le cadre de la chaleur, c'est-à-dire l'énergie thermique, l'entropie, qui est donc l'extensité associée à ce type d'énergie, peut être créée mais non détruite. Et voici quelque chose qui révolutionne la science. On a montré un exemple qui semble comme ça anodin, qui montre que il y a eu création d'entropie. Ce que ce second principe dit, c'est notamment que cette entropie qui a été créée pendant cette transformation ne pourra jamais être détruite. Il est impossible de détruire de l'énergie. Impossible de détruire de l'entropie. C'est-à-dire que si on considère l'ensemble des systèmes, c'est-à-dire l'univers entier qui contient l'ensemble des systèmes, l'entropie totale de ce grand système qu'est l'univers ne fait qu'augmenter. Et donc ça a beaucoup de conséquences, même d'un point de vue philosophique, parce qu'on a un sens de l'histoire qui est irréversible, il est impossible de retourner en arrière dans l'état thermodynamique de l'univers. Alors nous, on va plutôt s'intéresser aux applications tout à fait pratiques de l'ingénierie de ce second principe de la thermodynamique, mais il nous donne déjà beaucoup de pistes par rapport aux questions qu'on se posait précédemment, notamment le fait que si l'entropie peut être créée mais qu'on ne peut pas la redétruire ensuite, lorsqu'on a fait une transformation qui en crée, on ne peut pas vraiment revenir exactement dans l'autre sens. Alors on peut remettre un système dans l'état initial, mais ça sera forcément au prix de changement des systèmes qui sont autour ou du milieu extérieur de ce système. On a un côté irréversible de la transformation à partir du moment où il y a eu une création de l'entropie. Mais on va regarder ça un petit peu plus en détail.